Bonjour à tous, aujourd'hui Revue Liquide et aujourd'hui on va aux États-Unis pour découvrir la gamme Naked Fish, donc avec un packaging vraiment sympa. On a donc une carcasse de poisson, donc Naked Fish, voilà, on va avoir le poisson nu, donc le poisson à nu. Donc là on est vraiment sur un packaging élaboré avec une bouteille en aluminium, ça change un peu de la bouteille en verre, c'est assez agréable. Voilà, dessus on va avoir Made in the USA, donc Premium Dripper e-liquide, donc on est sur un e-liquide pour le dripper, et étant donné qu'on est en 71% de VG, 29% de PG, c'est précisé sur le côté. Donc pas de picto malvoyant ou quoi que ce soit, on est sur un liquide américain, donc tout à fait classique, sur une bouteille qui fait 40 ml, donc ça change encore un petit peu des normes habituelles. Vous voyez, la bouteille est vraiment différente de ce qu'on peut avoir habituellement. Un peu plus grosse au niveau largeur et un peu moins longue, mais on est sur quelque chose de vraiment agréable. Là, on va avoir donc la pipette. Donc, pas de sécurité. Si, il y a une sécurité enfant. Si. Donc, sécurité enfant. Voilà, c'est une gamme qui comporte 5 liquides. Aujourd'hui, je vais vous en présenter qu'un seul. Ce sera le Waouh. Donc, qui sera un mélange de céréales. Vous avez sinon le Barracuda, melon, fruits tropicaux, le Great White, donc Great White, vous avez tarte, crème, citron vert, biscuit, le Piranha, vanille custard et crème, et le Stingray, donc le Stingray qui va être un beurre de cacahuète, fraise, vanille. Donc que des recettes très gourmandes, et aujourd'hui on va en rester donc aux céréales, parce que j'avais envie de céréales, donc je l'ai commandé celui-ci chez Illiquid & Co. Voilà, et on va tester ça, c'est parti pour le Naked Fish, waouh. Donc, je l'ai installé dans mon dripper, puisque c'est précisé que ça se vape en dripper. De toute façon, je fais toujours le test en dripper, vous le savez maintenant. On est en 3 mg, on est en 70% de VG, et donc 30% de PG, enfin 71-29. Bref, c'est parti pour le waouh. On va avoir un liquide, j'ai pas regardé, liquide de couleur plutôt jaune, avec une odeur... Une odeur de clairement de Fruit Loops, donc de céréales aux fruits, donc les petits ronds fruités américains, voilà, qui sont très connus là-bas. Ici en France, on a encore du mal avec ça, mais aux États-Unis, c'est très réputé comme céréales. C'est parti pour le waouh. J'ai la belle vapeur. Hit. Tout à fait correct, on est en 3 mg. Et au niveau du goût, alors on est sur un super liquide aux céréales. Moi j'aime beaucoup. On est sur un Fruit Loops, donc on sent tout de suite ce côté céréales aux fruits. Donc avec un mélange de fruits assez classique, on va avoir un peu de tout au niveau du fruit, un multifruit au niveau des petits céréales de toutes les couleurs. Et on va avoir donc un côté lait assez présent, un côté crémeux, mais en même temps vanillé. Donc imaginez un bol de lait avec vos céréales Fruit Loops, mais en même temps du lait qu'aurait macéré un peu dans de la vanille, avec des gousses de vanille de Madagascar. Et ben c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce liquide. En plus de ça, il va être assez sucré, donc ça va nous apporter vraiment un liquide gourmand. En plus d'être céréales et fruité, on va avoir le côté gourmand et vanillé avec ce fameux Naked Fish. C'est assez étonnant parce que les liquides pour dripper habituellement ne sont pas forcément gourmands, surtout au niveau arôme, là on est vraiment bien. C'est gourmand, c'est fruité, et en même temps on a vraiment un liquide très crémeux, avec une vape très onctueuse, donc c'est très très agréable comme liquide. Moi j'aime beaucoup ce Naked Fish, waouh, vraiment un liquide très très bien fait. Voilà, pour moi, il n'y a pas franchement à dire, à redire plus. Hein. On est vraiment sur un liquide très bien foutu. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, qu'on est sur un véritable liquide all day avec ce Naked Fish, un vrai liquide aux céréales. Donc, vous retrouverez des céréales, mais pas que, parce que vous avez aussi ce côté très crémeux et crémeux vanillé. Donc, ça nous apporte vraiment une chose en plus dans ce côté liquide céréale, parce qu'on a d'abord le céréale, mais ensuite on va avoir le côté fruité et le côté crémeux du lait avec cette fameuse vanille de Madagascar. Et c'est vraiment agréable, ça se vape tout au long de la journée avec beaucoup de plaisir.
Donc, ce sont des bouteilles de 40 millilitres, comme j'ai pu vous le dire. Ils sont, elle est à 23 euros, cette bouteille de 40 millilitres. Donc, 23 euros, on est en dessous des prix qui peuvent se faire pour ce genre de bouteille, hein. Il n'y a pas photo. Et vous avez un choix de 3 mg ou 6 mg de nicotine. Donc, n'hésitez plus. Moi, je pense que je vais tester les autres. Je vous les présenterai peut-être. Mais je pense tester les autres parce que celui-là m'a vraiment surpris et vraiment bien. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les céréales donc, et la vanille, voilà, ça peut vous faire une sorte de liquide céréale custard. C'est à peu près ça. Qui se va très bien all day. Sucré mais pas trop. Gourmand mais pas trop non plus. Donc vraiment au top. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matérielle. Si vous souhaitez commander ce fameux Naked Fish, je vous mets l'adresse en dessous puisque je l'ai commandé chez e-Liquid & Co. Et puis on se retrouve très bientôt.